le Boston Weekly Advertiser, on peut s'y... Pourquoi pas à Marlboro? Non. Les habits... Alors, Lynn ou Ship Street? Oui. Les nouveaux arrivants vivent souvent dans la misère. Ils ne laisseront pas passer cette chance de gagner assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Délicieux, gelée et confiture, tout droit sorti de la ferme. L'auberge du Silver Fox offre les meilleurs services en ville. Les voyageurs rusés connaissent tous l'adresse de notre service. Et de tout, inutile de plus, à des prix incroyables. Ce qu'il vous faut, si ce que je vous propose ne vous tente pas, c'est que vous avez perdu la tête. Par la quantité de choses que j'ai à vous offrir. Si vous avez envie d'acheter, j'ai le droit de combler. Lâche-le, Edward. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Passez-leur tous les fers. Vous êtes libre, John. Sale traître! Vas-y! Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras... J'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Les paroles reviendront... Grand officier à l'humeur sombre. Oui, j'ai remarqué qu'il patrouille.